Ok, salut à tous. Moi, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma mission. Ma mission, c'était natif impossible. Alors moi, je suis développeur chez Azendu. Je suis développeur depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Je suis sorti d'école, je suis là-bas. Petite start-up, assez sympa. Je ne vais pas faire de pub dessus parce qu'on en a eu assez dans le grand amphi, avec des beaux discours de puissance, de croissance. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé à Zendoo, moi, ce que je voulais faire, c'était être développeur Android. Donc, moi, j'avais déjà développé des petites applications Android, rien de folichon, mais j'aimais bien ça. C'était un domaine pour moi qui était assez porteur et qui m'intéressait. Et je suis arrivé et là, on m'a dit, OK, Antoine, tu vas faire de l'hybride. Je fais, OK, hybride. Pourquoi pas natif? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire mon application Android et tout ça? Et en fait, à Zendoo, on est une petite équipe. On était encore une plus petite équipe quand je suis arrivé. Et qui dit petite équipe dit aussi bah, forcément manque de ressources, de moyens, peu de développeurs. Donc bah, si on veut une application mobile, on va essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui marche partout. Alors c'est quoi un peu hybride? Bah, pour nous, c'était assez simple. On a pris un site web. Et on l'a mis dans un téléphone. Bah, ça fait une application mobile. Pour ça, on a utilisé Cordova, PhoneGap. Bon, il y a des petites choses qui viennent se rajouter à ça. Comme par exemple, vous allez avoir le push natif. Vous allez avoir l'état de votre application. Savoir si elle est en foreground, en background. Tout ce genre de petites choses qui vont vous permettre en fait, de donner une expérience native, ou tout du moins un peu plus native, à vos utilisateurs. Ça nous a permis carrément de faire bon, du coup, une application pour iOS et Android avec un seul code base. C'est-à-dire qu'on partageait 100% du code, c'est-à-dire y compris l'interface, entre Android et iOS. Ça, c'était pas mal parce que bah, voilà, on faisait une modification et hop, sur iOS et Android, hop, c'est mis à jour. Ça, c'est plutôt sympa. Un autre gros avantage, c'est le partage des compétences. C'est-à-dire que comme c'est du web, et nous, à Zendoo, le gros de notre application, en fait, c'est une web app, donc une application web. Et ben, moi, je pouvais aller sur l'application web et on pouvait venir m'aider aussi sur mobile. Et quand on est une petite équipe, c'est assez pratique de pouvoir prendre de la ressource. Bam, on la met sur un pôle, hop, on la reprend, on la met autre part. Plutôt pratique. Ah voilà. Est-ce qu'il y a des développeurs iOS ou Android parmi vous? Ouais. Un gros truc dans le dev, en tout cas moi quand je faisais d'Android, c'était les phases de compilation. Généralement on fait une modification, ça peut être un changement de couleur, un changement de fonte, on remet une image et bam, on est obligé de recompiler toute l'application quoi. Alors bien sûr, maintenant on est un peu intelligent, on ne va pas recompiler tous les fichiers, on a du linkage, tout ça. Mais globalement, pour chaque modification, il faut réinstaller l'application sur le téléphone. Et ça, à la fin d'une journée, vous faites le calcul, ça prend des plombes, quoi. Enfin, et à la fin d'une année, on perd des heures, des heures, des heures. C'est rien. Enfin, quand on va sur du web et qu'on vient de là-bas, on hallucine complètement parce que on fait une modification, on enregistre, hop, et c'est là. Alors c'est du live reload, c'est-à-dire qu'en fait on va automatiquement rafraîchir le navigateur. Mais c'est du web, c'est interprété, donc pas de problème, ça va vite, et on peut développer rapidement. Ça c'est un autre avantage d'avoir fait l'hybride avec du web. Alors ça c'est l'application Azendoo, telle qu'on l'avait en fait. Et ça, c'est l'application Azendoo maintenant. Alors normalement, on a une vidéo qui est censée se lancer, qui ne se lance pas. Pas de problème, effet démo. Ah, ça y est, voilà. Et voilà, ce qui est intéressant de regarder ici, en fait, c'est que bah, sur le scroll, en fait, de temps en temps, on va avoir des petits pics de lag, ça va être saccadé, on va perdre des frames en fait, on va pas être fluide.
Et ça, en expérience utilisateur, c'est terrible. Parce que quand on est sur une application, on a envie que ça aille vite. On a envie que quand on appuie sur le bouton, ce soit rapide, ce soit instantané. On a vu qu'une animation, elle soit fluide, qu'elle marche bien. Et on n'a pas envie d'attendre des plombes ou d'avoir des événements qui se stackent et qui vont ressortir d'un coup. C'est vraiment terrible en termes d'expérience. Et à droite, on voit qu'on a des gestures complètement natives à iOS. Donc, par exemple, quand on drague une vue, on peut faire le retour. On a des animations avec les images. On a un scroll qui est vraiment fluide. Enfin, tout est tout marrant. La grosse question, c'est pourquoi est-ce qu'avec notre application à la base, notre application Cordova, on n'arrivait pas à ça, quoi? Enfin, quelles étaient les limites, quoi? La première limite, c'est que JavaScript, si je simplifie, ça n'a qu'un seul thread. Et en gros, ce pauvre type, il va devoir se charger de deux choses. Un, c'est exécuter votre code JavaScript. Et deux, c'est repeindre l'interface. Si vous voulez être à 60 images par seconde, ça veut dire qu'il faut que votre code JavaScript il s'exécute moins de 16 millisecondes chaque fois. Mais ça, c'est quasiment impossible à déterminer, quoi. Quand je suis sur mon ordinateur, ça va vite et tout, mais quand je suis sur mon téléphone, il y a grosso modo un facteur 10 de performance, suivant quel téléphone c'est. Et du coup, si j'arrive à avoir du code qui va s'exécuter assez vite sur mon ordinateur, peut-être que sur mon téléphone, ça va s'exécuter plus lentement. Par exemple, quand il y a un call réseau, quoi que ce soit, du JSON à parser, des choses qui ont besoin de se faire d'un coup. Et on va observer ce qu'on observait dans la petite vidéo avant, c'est-à-dire on va dropper des frames. Et ça, c'est un petit peu problématique. À savoir aussi que en JavaScript, enfin, surtout dans le web, le temps que le JavaScript va s'exécuter, lui ne se rafraîchira pas. C'est-à-dire que si vous faites une boucle, un while 1, votre thread, lui, il est bloqué. C'est-à-dire que vous avez beau appuyer sur des boutons, vouloir scroller, tout ça, il ne se passe rien. Et c'est valable dans l'autre sens. C'est-à-dire que tant que lui il se repeint, le JavaScript ne les exécute pas. Ça, c'est moins grave. Mais des fois, vous pouvez avoir lui qui se repeint et qui met beaucoup de temps à se repeindre. Et pourquoi des fois il met beaucoup de temps à se repeindre d'ailleurs? Parce que la représentation en fait de votre page web, donc en gros votre HTML, le DOM, c'est quelque chose qui est très lent. Qui est très lent, pourquoi? Parce que souvent on va faire des accès, on va le forcer à se rafraîchir, on va le forcer à se redessiner. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le layout trashing. Ça coûte du temps. Ça coûte du temps et ça ralentit pas mal, pas mal, pas mal votre code. Donc qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Nous, on a commencé à se dire, OK, on va optimiser ça. On va minimiser les accès au DOM, on va les faire d'un coup. On va essayer de limiter les shadows parce que les shadows sur Android ça passe pas très bien les shadows, du coup allez, on vire les shadows sur Android et puis on va mettre juste un border. Voilà, on va essayer de gratter un petit peu en performance par-ci par-là et puis au bout d'un moment on s'aperçoit que en tant que dev on passe du temps, beaucoup trop de temps en fait, à aller chercher la performance, à utiliser le profiler de Chrome pour aller voir si on n'a pas trop de consommation mémoire, si le garbage collector il passe bien. Et à la fin on devient un gros nazi du JavaScript et ça peut devenir dangereux quoi, un peu. On peut faire des choses pas très bien, on a déjà vu ça. Et c'est là en fait qu'on a entendu parler d'une techno, c'est React. C'est marrant parce qu'à la base j'ai entendu parler de React, pas du tout pour ce qu'est React en fait. Alors, quelques petites infos avant par rapport à React. React, ça a été commencé en 2011, c'est Facebook qui a lancé ça, et ils l'ont open sourcé en 2013. Ça a un peu plus de 29 000 stars sur GitHub. AngularJS. Pour ceux qui aiment AngularJS, ça en a 43 000. Donc voilà, c'est pas le même ordre d'idée, mais bon, c'est quand même, ça montre que c'est deux projets très bien, les deux sont bien, pas de guerre. C'est utilisé quand même par des très très grosses boîtes, quoi. Genre, déjà, il y a Azendu qui utilise, grosse boîte. Ça, c'est. Puis, y a des mecs un peu moins connus, genre Netflix, Yahoo, Facebook, Airbnb. Ouais, ça, c'est moins important. Donc, c'est quand même utilisé en production par les grosses boîtes. On a assez confiance, quoi. Il y a une conf d'ailleurs sur React que je vous invite à aller voir parce que moi je vais passer assez rapidement dessus. Qui est à 15 h. Je crois que c'est dans le Grand Amphi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir.
Voilà, donc React, on l'a connu parce que React, ça a du Virtual DOM. Qu'est-ce que c'est Virtual DOM? C'est comme du DOM, sauf que c'est virtuel, en gros, c'est en JavaScript. Donc React a sa propre version du DOM en JavaScript, ce qui lui permet, en fait, entre deux modifications, d'aller faire un petit diff entre qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, et dire, OK, moi, je vais être sympa, mec. Toi, tu as changé plein de trucs, tu m'as dit, OK, tu redessines tout, mais moi, je vais prendre juste ce qui a changé, je vais prendre tout ça, je vais le batcher, et je vais aller faire un tour dans le DOM. Comme ça, c'est plus rapide. Et ça évite pas mal de choses. Genre, par exemple, si je sais pas, vous rendez toute une liste d'utilisateurs, des fois vous avez des petits blinks, des petites choses comme ça. Ben là, vous n'en avez plus. Parce que c'est vraiment genre à la div près que ça va changer, quoi. Donc on est très précis, on ne sollicite pas trop le DOM et on gagne en performance. Mais en fait, ça, c'est pas du tout React. Je vous l'ai dit, ça, c'est un petit truc chouette. Mais la vraie philosophie de React, elle est ailleurs. Pour mieux comprendre, il faut regarder un petit peu la classe de base de React. On va pas trop rentrer dans le code, on va pas aller beaucoup plus loin que ça en fait. Ça, c'est juste en fait un composant, et il va rendre, dans sa méthode render, il va renvoyer du JSX. Le JSX, on peut imaginer ça un petit peu comme un genre de HTML, un petit peu amélioré. Ce qui est en gros une description de ce que va être le composant. Bon, dans ce cas-là, bah, notre app, ce serait juste un titre. Et la force qu'il y a derrière ça, c'est que c'est pas que du HTML. Pourquoi? Parce qu'on est capable en fait d'abstraire dans ce JSX des composants. En fait, on va pouvoir combiner des composants entre eux. Et là, on a un principe qui est très fort en programmation, c'est la capacité à combiner des éléments. Ça, on le fait souvent quand on développe, quand vous faites un programme, une interface, vous avez des modules, hop, vous prenez un module, vous le mettez dans l'autre module, tac, tac, tac. On fait souvent ça. Et c'est un mécanisme qui me paraît vraiment très logique. Mais quand on fait une interface, quand on fait du HTML, tout ça, on pense moins à le faire. À chaque fois, on va réinventer la roue et se dire, OK, ben on va remettre tout ça. Et on ne va pas être capable de juste voir, quand on veut voir notre page, juste dire, OK, ben il y avait un titre, un contenu et un footer. Ça, on n'arrive pas à le faire, quoi. Ben ça, c'est la capacité, justement, de combiner les éléments. Cette manière de décrire un petit peu notre application, c'est une manière déclarative. Et la manière déclarative, c'est pas mal parce que par rapport à une manière impérative, parce que c'est plus proche de ce que vous pensez. En gros, si je vous dis, OK, allez sélectionner, je sais pas, toutes les images d'Internet qui contiennent un chat dedans. Ben, la manière de l'homme, quand vous réfléchissez en tant qu'humain, vous arrêtez là, vous dites OK. Après, vous allez le développer ça et vous dites OK, ben, moi je vais faire une boucle parce que je suis sur un ordinateur, donc je vais allouer un tableau, et puis après je vais itérer sur la longueur du tableau, puis je vais checker en fait l'attribut name de l'animal pour voir si c'est bien chat, etc. En fait, en impératif, on va jouer à l'ordinateur. Le plus impératif des langages, c'est l'assembleur, quoi. C'est-à-dire, OK, bah, moi je vais aller choper une variable dans un registre, tac, 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 hop, je vais le mettre ici, puis je sais que j'ai tant de cache, donc attends, attends, tant de cache, hop, je vais pouvoir faire ça. Et là, on n'est plus humain, on est ordinateur. Et le problème, c'est qu'on est des humains. Donc quand on développe, en fait, quand on veut aller vite, bah, il faut raisonner comme nous on raisonne. Et ça, c'est le déclaratif. Et React, c'est ça, c'est très déclaratif. Et là, on voit un petit exemple SQL, le rapport. Un autre principe intéressant de React, qu'on retrouve aussi dans la programmation, c'est le principe d'abstraction. Et ça, c'est un principe qui est hyper fort, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on l'avait pas plus que ça avant, quoi? C'est finalement quand on a quelque chose qui se passe, peu importe comment ça se passe derrière. Enfin, je veux dire, moi, ça m'est égal. Ok, bon, c'est triste pour lui, mais du moment que j'ai mon ticket, c'est cool, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu le contrat qu'on passe quand on a une lib ou quelque chose ou une interface en programmation. On dit, ok. Ben moi, je te passe par exemple une string et hop, ben toi, tu me l'échappes et comme ça, je suis tranquille. Mais je ne sais pas ce que tu as fait à l'intérieur. Ça ne me regarde pas. Donc, on peut manipuler des objets finalement très complexes de manière très simple sans savoir ce qui se passe derrière. Et c'est un peu ce qu'on fait Flipboard. Flipboard, en début d'année, ils sortent un article et ils disent, nous, on a fait 60 FPS sur mobile web. Moi, j'étais avec mon application PhoneGap, j'étais, attends, je vais aller voir ça.
Les mecs, ils ont fait quoi? C'est juste c'est quoi? C'est des rectangles de couleurs qu'ils ont fait? Comment ça se passe, quoi? C'est. Eh ben, en fait, non. Flipboard, ils ont été assez malins. Ils se sont dit, ben, nous, on fait du React. Et ben, derrière ce texte, on va faire, enfin, derrière, on va faire un composant de texte. Et derrière ce composant de texte, on va pas mettre une span. On va mettre un canvas. Et en fait, ils ont réimplémenté des briques de base. Donc, texte, des views, des images, du style aussi, dans un canvas. Ce qui fait qu'en fait, quand vous vous manipulez après ces éléments, ben c'est un peu comme si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que vous avez votre texte, hop, vous avez votre image, mais derrière, vu que c'est du canvas, vu que c'est calculé par la carte graphique, ben c'est hyper rapide. Et vous gagnez en performance. Et j'ai testé le site sur mobile et ça va vraiment très vite. Donc ils ont open sourcé React Canvas du coup en février 2015. C'est un peu plus de 9000 stars. Et voilà, ça c'est ce que ça donne. Donc si vous faites attention en fait, par exemple tout en haut, au niveau de la loupe ou du petit menu hamburger, vous verrez qu'en fait, au moment où on passe l'image, au moment de la transition, eh ben, ça passe du noir au blanc ou du blanc au noir parfaitement en fait. C'est ce genre de petites choses qui en web seraient très difficiles à faire parce qu'il faudrait avoir un composant qui va frapper l'autre avec l'opacité et enfin, on n'aurait pas ce degré de performance quoi. Et là on se dit pourquoi derrière ce texte en fait on pourrait pas avoir genre un Android texte ou un iOS texte. Et là on arrive à React Native. React Native, ça a déjà 20 000 stars, alors que c'est sorti, enfin, ils ont annoncé ça en fin février, enfin février dans une conf, fin janvier exactement, et ils l'ont open sourcé en mars. C'est utilisé en Facebook déjà, enfin c'est déjà utilisé par Facebook en production depuis, donc ils ont déjà des applications en production avec ça, ils n'ont pas sorti comme ça, on vous a sorti un truc, allez voir. C'est hyper important, c'est que on va avoir du React, mais attention, on n'a plus de WebView, on n'a pas de DOM et on n'a pas de HTML. Ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. On n'a plus de navigateur. Ok? On garde juste la partie description de nos composants. Et on aura la puissance du natif. Ok, pourquoi la puissance du natif? Rapidement. C'est hyper important, c'est qu'on va avoir donc toujours notre JavaScript qu'on a écrit avant qui va s'exécuter en background thread. Donc on va renvoyer la description de notre composant, tout ça, hop, on va faire nos petites apps avec notre code métier, tout ça c'est du JavaScript. Et on a un thread à côté, le thread natif, avec des vues natives. On n'a que du natif après, en UI. Bon, bien sûr, si on veut, on peut créer une WebView en native, mais peu d'intérêt. Mais c'est du natif. Et en fait, ils vont communiquer ces deux threads. Le thread JavaScript va piloter le thread UI en lui disant, bah, crée-moi je sais pas, un rectangle, tu me le colores en rouge et tu me le déplaces à tel endroit. Du coup, ça va communiquer avec ce système de callback asynchrone entre les deux via un bridge. Parce que là, rien de fou. Mais ça va permettre à quoi? Ça va permettre de. Bah, même si on bloque le thread JS, bah lui, elle est là encore. Elle répond. Ça scrolle. Les boutons, ils sont là, ils sont présents. Quand on appuie sur une page, qu'on revient en arrière, bam, ça revient en arrière. On n'a plus ce problème qu'on avait avant de se dire, ah, hop, il y a un petit code réseau, on va parser de la donnée qu'on avait stockée en base de données pour la mettre en forme. Hop, bah, pas de chance, je trouve, à ce moment-là. Bah, ça marche plus. Et là, c'est vraiment la très très grosse force, quoi. Juste pour info, ça utilise. Derrière, c'est JavaScript Core. Donc, ça va assez vite. Et une petite démo. Alors, je vais commencer par vous montrer le projet Xcode. Donc on voit que je vais vous montrer que à chaque fois je vous montrerai sur iOS principalement. C'est assez simple quand on gère nos assets comme d'habitude. Voilà, j'ai mis mes petites icônes, j'ai une app delegate.
avec dedans mon point d'entrée. Donc j'ai deux choix en fait. Soit mon bundle JavaScript, en développement, je vais le récupérer sur le serveur. Donc c'est via un call HTTP, ouais, c'est tout simple. Donc ça permet quoi? Ça permet, bah, j'ai mon téléphone, j'ai ma tablette, elles ne sont pas branchées à mon ordinateur, mais c'est pas grave, je la file à mon designer et je lui dis, attends, vas-y, je fais cette modif, et hop, bah, le bundle JavaScript est re-téléchargé automatiquement sur l'application et ça se met à jour. On va le voir après, je vous fais la démo. Ça vous permet aussi de, bah, vous avez des pods pour gérer vos dépendances, vous êtes habitué à utiliser votre petit environnement iOS, et c'est agréable, Xcode c'est bien, et il y a déjà une tonne de choses qui sont faites par la communauté, bah, vous pouvez les réimporter ici. De même, vous avez un composant, je sais pas, une view iOS que vous voulez réutiliser, et bah, vous pouvez la bridger et la réutiliser directement dans React Native. Facebook d'ailleurs, c'est un des trucs qui sont le mieux documentés, sur la partie iOS en tout cas, c'est la notion de bridge. Comment faire des bridges? Donc l'application, après ça va donner... Est-ce que je retrouve mon simulateur? Voilà, lancé. Voilà. Donc là, j'ai compilé une fois mon application, elle se lance, et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, je vais aller chercher mon simulateur, je vais mettre ici pour que vous voyez, hop. Tac. Donc ça, c'est le projet. Voilà comment ça se décline. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais grosso modo, on va avoir un point d'entrée en JS, qui est notre index. Et on va avoir notre fameuse fonction render. Est-ce que vous voulez que je grossisse un petit peu ou pas? Ou ça va? Non, vous voyez? Ok, nickel. Donc ça, c'est cool parce que, bah voilà, Bordeaux.io, en fait, moi, je voulais passer de couleur. Je me suis dit, bah, je vais me mettre un petit, je vais l'écrire en rouge. J'écris en rouge, j'enregistre. Hop, ça se rafraîchit, hop, j'ai en rouge, quoi. Et là, j'ai pas redéployé. En fait, c'est juste mon bundle JavaScript qui s'est retéléchargé, hop, direct. Je ne sais pas si vous imaginez, mais en natif, pour faire ça, attendez les gars, Xcode, ok, bah, je rafraîchis, hop, je redéploie, mon application se relance, et c'est bon, quoi. Et voilà. Et juste pour info, pour le style, on utilise Flexbox aussi. Donc, c'est pas auto-layout, malheureusement. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mais c'est quand même pas mal, c'est beaucoup mieux que le CSS. On peut enfin centrer verticalement, facilement. Ça, c'est une grosse avancée. Et voilà, si je sais pas, je vais dupliquer le texte, j'enregistre, et hop, mon texte est dupliqué. C'est assez simple, quoi. Donc j'ai vraiment un composant view, j'ai ce qui est comme un container, et puis après, bah, voilà, je vais me rajouter des éléments. Et comme ça, je peux construire toute une application. J'ai les briques de base. Ça peut marcher. Hop. On va revenir sur la keynote. Une des grosses forces aussi de React, de natif par rapport à React, c'est les native props en fait. Les natives gestures. C'est-à-dire que vu que vous êtes vraiment dans du natif, vous avez les moyens de, à l'inverse de JavaScript, ou par exemple pour gérer du multitouch, où vous seriez obligé d'avoir une librairie particulière qui va être une énième couche à vos librairies avant que votre event arrive vraiment sur votre bouton ou quel que ce soit. Là, c'est natif, c'est le thread UI qui le gère, c'est des gestures iOS de base. Je veux dire, il n'y a plus de problème. On ne s'embête plus à se dire, ok, j'ai fait un long tab, j'ai fait un double tab, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'ai dragué? Est-ce que j'ai pas dragué? Nous, je sais qu'on avait ce problème-là, quoi. Et à la fin, on a fini par dire, OK, bah, on ne pourra pas faire de swipe, on ne pourra pas faire de ça, parce que ça devenait bah, juste un enfer à gérer, quoi. Et ces natives propres, elles ont quelque chose de bien. C'est qu'elles vont permettre, en fait, de communiquer directement avec le natif. À quoi ça peut servir? Bah, en fait, on va pouvoir faire des animations, des vraies animations natives. Et c'est là où c'est très fort, parce qu'habituellement, en React, il faudrait re-rendre le composant et lui dire, OK, tu as
tu as une couleur qui est un petit peu variée ou une taille qui est un petit peu variée, et hop, il se re-rendrait avec une taille un petit peu différente. Mais ça, c'est coûteux en fait quand tu veux vraiment faire de l'animation qui va très vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des petites démos. Hop. Là, vous voyez, hein, pour démarrer mon JavaScript, mon serveur Webpack, hop, juste npm start, et ça, c'est lancé. Ça fait le taf. Hein. On récupère le simulateur, hop, et on va chercher les animations. Alors ici, il y a un truc qui est pas mal, c'est que, voilà, alors là, je me déplace, vous voyez, donc il y a, je ne sais pas si vous faites attention, mais il y a une shadow en plus qui change. Plus je descends, plus elle se rapproche du carré, en fait. Et tout ce qu'il y a là, en fait, bah, il n'y a pas de JavaScript qui est exécuté. Quand je fais ça, il n'y a pas de JavaScript qui est appelé. Et ça, c'est balèze, parce que ça veut dire que, ça y est, on arrive à s'abstraindre, enfin, on est complètement asynchrone par rapport au JavaScript. Si on va regarder le code d'un peu plus proche, hop, on peut se balader. Tac. On va voir comment ça marche. En fait, il y a un petit peu de magie qui s'opère. Et la magie, hop, elle est ici, sur cette ligne. Qu'est-ce que c'est ça en fait? En JavaScript, on va avoir accès à ce qu'on appelle le pan responder. C'est grosso modo le système d'event natif. Et on va pouvoir lui dire, tout simplement, bah, écoute, quand tu vas bouger, je veux que tel paramètre, là en l'occurrence le déplacement sur Y, il soit bindé avec la position sur Y. Et pareil sur X. Et c'est vraiment déclaratif, hein. Il n'y a pas d'appel de fonction. J'ai pas fait un callback là, qui va dire à chaque fois tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Donc ça, c'est envoyé une fois dans le natif. Et après, bah, quand la position change, bah, du coup, tout se met à jour. La couleur, la shadow, la taille, la scale. Juste pour info, tous les exemples que je veux montrer là, ils sont sur mon repo GitHub. Je vous montrerai à la fin l'adresse du repo. Donc vous pouvez aller voir, revoir les exemples, tout ça. Je les ai essayé un petit peu et commenter pour que ça soit plutôt sympa. Et après, il y a un truc voilà, qu'on va utiliser, c'est on va interpoler en fait des éléments. Par exemple, la couleur ici. Voilà. Là, bah, ma couleur, je vais dire que bah, sur la position Y, entre 0 et la taille de la taille de mon device, tu passeras du jaune au vert. Et voilà, et ça, c'est une native props que j'ai déclarée là. C'est-à-dire que la native props, c'est pareil, elle va être envoyée une fois dans thread natif, et elle sera capable après de se mettre à jour sans qu'on repasse par JavaScript. Mais à tout moment, quand même, par le JavaScript, et c'est ce que je fais ici en fait. Je vous ai un petit peu menti quand je vous disais qu'il y avait zéro JavaScript. Parce qu'en réalité, quand je clique, là j'ai un event JavaScript qui part. Là j'en ai un seul. Mais un seul. Qu'est-ce qui se passe? Je dis juste, hey, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller m'animer cette propriété et cette propriété jusqu'à cet endroit? Et après je m'arrête. Je suis juste allé voir mon thread UI. Je lui dis, hey, balance-moi ce mec là-bas et après, hop, je t'embête plus. Et lui, il est super rapide, il va faire son truc, tac, 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 ça va super vite. Toc, petite note. Donc ça y est, en fait, on l'a fait. On a un peu tué le natif, on est arrivé, on a fait OK les gars, on a créé une application une fois, on la déploie partout. Et en plus, c'est rapide, on a la puissance du natif. Et en fait, non, on n'y est pas encore. Parce que ça, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Tout simplement parce que, bah, par exemple, avec iOS et Android, bah les deux plateformes, elles sont différentes. Ce n'est pas les mêmes. On va avoir une interface, une expérience utilisateur, un design et des interactions qui sont différentes sur les deux plateformes. Donc, il faut arrêter de se dire, je vais écrire un truc
en Java, qui va compiler en JavaScript, qui va compiler en iOS et en Android. Enfin, un truc. Et j'aurais écrit mon code une fois et ça a marché partout. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Là, on va plus être sûr du. On apprend une fois, donc on va apprendre React, et on va pouvoir l'utiliser partout. Et on aura quand même besoin de compétences natives. Parce que, comme on l'a vu, des fois, il va falloir faire des bridges. Il va falloir réutiliser certains composants natifs. Mais la proportion de code natif va diminuer énormément. Vraiment énormément. Normalement, on peut s'en sortir sans faire de données natifs, juste en se basant sur ce qu'a fait la communauté et tout ça. Donc, comment ça se passe quand je veux faire une application qui va tourner à la fois sur Android et iOS? Parce que voilà, on est quand même cross-platform. Il ne faut pas l'oublier. Bah, Facebook, ils ont sorti leur app Ads Manager. Et cette app, ils ont dit, OK, nous, on l'a développé. D'habitude, ce qu'on faisait, c'est qu'on développait l'application avec l'équipe iOS. On passait 3 mois dessus. Et après, on filait les specs, tout ça, à l'équipe dev Android. Et repasser 3 mois dessus. Et voilà, ils avaient 2 applications. Et là, ils ont fait différemment. Ils ont pris une équipe avec des devs Android, des devs iOS. Ils ont mixé des devs web. Et ils l'ont fait en React Native. Donc, ils ont fait l'application iOS. Et ensuite, ils ont réutilisé la même équipe pour faire l'application Android. Mais ils n'ont pas refait l'application Android, en fait. Parce qu'ils ont réutilisé 80% de leur code. Tout leur code métier, déjà, c'est le même. Un call API, c'est le même sous Android et iOS, quoi. Enfin, j'ai fait une présentation chez Snap la semaine dernière. Et bah, les devs, ils me disaient, ouais, nous, ce qui nous embête le plus, c'est que bah, moi, j'ai mon pote qui fait de l'Android à côté, moi, je fais de l'iOS. Et bah, on se retape le même code à taper 2 fois. C'est hyper dommage, quoi. Bah, l'API, elle change, faut refaire 2 fois la modif. On inclut une nouvelle feature, 2 fois la modif. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Et là, on va utiliser le principe, du coup, bah, d'abstraction pour faire ça, encore. Parce que si on a un composant, par exemple, un spinner, bah, il faut qu'il soit différent soit iOS et soit Android. Et pourtant, je veux quand même garder une logique. Je veux dire, je me suis embêté à dire, OK, ma vue, elle aura un titre, elle aura un chargement avec un spinner, et après, elle affichera un élément. Et ça, ces éléments, sur Android et iOS, il faut qu'ils aient la même logique, il faut que ça soit placé au même endroit à peu près. Ça, je vais pouvoir le garder. Je vais pouvoir vraiment décrire ce que je veux. Et après, suivant là où je suis, ça va changer. Alors, je vais essayer de mettre les deux simulateurs à côté. Ta, ta, ta. Voilà. OK. Donc là, on a les deux apps qui tournent en même temps. Donc, bah, par exemple, on peut voir que bah, je sais pas, je vais modifier la font size et la mettre à 10 parce que hop, je trouve ça cool. Voilà, comme ça, personne ne voit rien. Et hop, les deux apps sont rafraîchies en même temps. Je développe en fait, c'est vraiment le même code quoi. Genre, j'ai développé sous iOS et Android en même temps. Enfin, comme je pouvais faire un petit peu avant quoi. Et je pourrais avoir mon téléphone dans ma poche en fait, ou là, et ça se rafraîchit en même temps. Le use case, pour de vrai, le use case Android iOS à côté, dans la réalité, ça se passera pas souvent. Là, je le fais parce que c'est sympa, et surtout parce que je pouvais pas prendre un iPhone et un iPad sur un écran d'une résolution de 640 par 480, tout petit. Mais en vrai, voilà, c'est plus ça en fait. C'est que vous avez plusieurs devices de tailles différentes, et vous allez vouloir faire des ajustements pour que ça rentre bien sur tous. Vous pouvez tous les avoir, vous avez votre banc de test, et vous développez, et bam, tout se met à jour. Un live reload, et ça se met à jour. Ça, c'est assez chouette. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, le spinner, il est différent sous iOS et Android. Ah, c'est cool parce que bah, sous Android, j'ai mon spinner Android et sous iOS, spinner iOS. Comment ça marche? Bah, si je vais voir dans le code, bah, j'ai un seul spinner. Et il n'y a pas de if, là, il n'y a rien. Et en haut, bah, j'ai require un spinner. Parce que moi, ce que je voulais, c'était un spinner.
Je l'ai dit, voilà, pour moi, ma vue, c'est il y a un texte et derrière, j'ai un spinner. Hop. Et bien, en fait, derrière, j'ai un spinner.ios.js et j'ai un spinner.android.js. Et c'est le packager, en fait, qui va faire le travail pour moi. C'est ce qu'on a vu sur la slide. C'est vraiment lui qui va s'occuper, pour moi, d'aller chercher le bon spinner. Ça, c'est un mec chouette. Et donc, ça me permet toujours de travailler sans me poser vraiment la question qui c'est qu'il y a derrière et d'avoir un code propre. C'est-à-dire, je ne vais pas faire if Android, allez, vas-y, require tel package, fais-moi tel render, else, if iOS, je fais ça, quoi. Ou avoir deux codes base complètement différents, ou on peut quand même maintenir une certaine logique. Après, il y a quand même des parties qui vont être complètement différentes. Hein. C'est faut pas au niveau de l'interface, de l'UI. Mais un user avatar, par exemple, on peut avoir l'user avatar rond Android et user avatar carré iOS, je sais pas, et l'utiliser toujours notre composant user avatar, et comme ça, si on l'update, je sais pas, il devient super intelligent parce qu'il fait une belle animation quand il charge, on peut l'utiliser sur les deux. En pratique, nous, on l'a beaucoup utilisé sur les list view pour qu'elles aient le même comportement. Genre avec un load more, genre qu'elles soient rafraîchies, avoir un state quand ça marche pas, un state quand ça marche, un state quand c'est loading. Bref. Qu'est-ce qu'on peut dire dans React Native ? React Native, c'est encore vachement jeune. Il n'y a pas de version 0.1 encore. iOS, ça commence à bien marcher, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas facile. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait beaucoup de bugs. Il y en a toujours beaucoup. Enfin, pas mal. Sur Android, qui vient de sortir, c'est encore assez compliqué aussi. Il manque pas mal de composants, mais ça arrive. Il y a une grosse communauté. Il y a beaucoup de pull requests. Ça se met à jour très très régulièrement. Toutes les deux semaines, il y a une nouvelle version stable qui sort. Donc ça bouge beaucoup, ça marche bien. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment garder une chose en tête, c'est vous avez un problème, ok j'ai un problème, encore. Faut pas tout jeter, faut aller sur le repo, faut saigner le repo GitHub, faut y aller. Allez. Moi je fais ça tous les jours, quoi. Genre je passe ouais, une petite demi-heure par jour facile sur le repo, des fois plus, des fois beaucoup plus, pour aller voir ce qui se passe. Et on est encore sur du web, faut pas l'oublier quoi. C'est-à-dire que derrière on a une techno web. Donc on peut débugger avec Chrome d'ailleurs, hein, notre JavaScript, tout ça, c'est assez pratique. Explorer notre application avec les debug tools React. Et je dis ça parce que un truc qui est plutôt chouette en fait avec. Je sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de React et ce qui a été fait récemment, ça s'appelle React Outloader. Là, on a vu déjà, c'est assez cool. Genre, quand on fait une modification, notre modification, en fait, elle se fait directement dans le navigateur. Mais il y a quand même un refresh, quoi. Il y a un reload. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait des applications un peu plus lourdes. En principe, vous pouvez être dans un composant qui est, je sais pas, vous avez navigué, vous êtes en bas d'une liste, puis vous avez fait un show d'un élément. Et là, vous faites une modification pour le style ou vous mettez à jour votre composant et bam, faut tout recommencer. Donc là, on a toujours un petit peu, grosso modo, c'est un petit peu le code de tout à l'heure. Hein, je l'anime juste automatiquement pour vous montrer. Et hop. Et qu'est-ce que c'est le hot reload en fait par rapport au live reload? C'est-à-dire qu'en fait, on peut remplacer le code à chaud. Par exemple, là, on va regarder, hop, j'ai bien mon code qui s'exécute derrière. Mon JavaScript, il est là, mon application, elle est présente. Et qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va changer une couleur. Donc, au lieu que mon texte il soit blanc, je vais le mettre noir. Ok, on veut du texte noir. Tac, j'enregistre. Et là, magie, effet démo, voilà. Ça ne s'est pas rechargé. Il n'y a eu aucun live reload. Donc, un, je n'ai pas redéployé. Deux, mon bundle JavaScript ne s'est pas rechargé. Je n'ai pas reperdu mon contexte. Je n'ai pas reperdu là où j'étais, mes variables, l'état de mes stores, ou si j'ai des stores. Et ça a juste changé, quoi. Et je veux dire, je peux aller changer la position, je ne sais pas, genre, hop, je vais pas changer la position, comment on va changer mon carré.
Et hop, hop, la position, voilà, non, il fait un peu n'importe quoi, mais hop, il. Ça se fait instantanément. Ça, c'est votre IO. Et en dev, bah là, on va plus vite que tout, quoi. Je veux dire, vous êtes en train de faire une interface. Moi, je vois vraiment ça pas mal pour l'interface. Ou un composant qui doit faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de reload, 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 quoi. Vous êtes sur votre truc, tac, 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 vous faites le style, ok, margin, tac, tac, hop, ça marche, c'est bon. Là, en temps de dev, on est pas mal. Et c'est du natif. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, on a quand même une vue native, quoi. C'est des composants natifs qu'on va piloter, recharger comme ça d'un coup, comme si on était dans un interpréteur JavaScript, mais derrière, c'est du, enfin, c'est de l'iOS natif. C'est juste puissant. Allez, un dernier truc, et après je vous laisse parce que j'ai plus le temps. On a vu que c'était un bundle JavaScript qu'on avait dans notre application, le bundle JavaScript qui pilote le natif. Donc c'est vraiment, finalement, du JS, c'est un asset, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà retrouvé, mais genre sur iOS, vous avez fait une release, et là, bam, ça a été accepté par l'Apple Store, mais vous avez oublié vous avez fait une typo dans une locale, vous avez un petit bug, un petit hotfix à faire. Et là, faut refaire, allez, hop, on fait le fixe, on fait une version, on attend 10 jours, 15 jours que Apple review, et ça y est, c'est sorti, quoi. Ben en fait, on n'est plus obligé de faire ça maintenant. Parce qu'avec Apphub, par exemple, c'est un des services qui fait ça. On peut tout simplement dire au lancement de l'application pendant qu'elle tourne, ben, check si j'ai pas un bundle JavaScript qui est plus récent sur un serveur. Ben, si on a un, hop, elle le télécharge, elle vous propose de mettre à jour, elle switch les bundles et vous êtes à jour. Sans être passé par le store. La question, c'est est-ce que Apple permet ça? Apple ne permet rien. Mais en fait, si. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais pour l'instant, il l'autorise. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que voilà, vous allez vraiment faire changer votre numéro de build et pas votre numéro de version. Ça paraîtrait un peu bizarre de changer un numéro de version alors que sans passer par le store, quoi. Pour les grosses mises à jour, vous avez changé, je ne sais pas, une librairie native, vous avez fait un bridge natif, vous êtes obligé de repasser par l'App Store. Mais vous voulez mettre à jour même des assets, sur votre icône, elle est un peu blurry parce que, ah mince et tout, on s'est trompé, on a fait un misclick ou je ne sais pas quoi. Hop, bah hop, on redéploie, on a des nouveaux assets et l'icône n'est plus bleue. Ça, c'est pas mal. Ça va, c'est. Et c'est ultra rapide. Moi, ouais, j'ai fait des tests, on se met en Wi-Fi, en quelques secondes, c'est là. Il n'y a pas de OK, il faut attendre 18 heures que les serveurs se mettent à jour parce que machin. Non. On déploie, on fait OK, on y va, et c'est parti. Voilà. Je voulais remercier mon designer préféré, Luc Chessac, pour m'avoir aidé à faire la présentation. Ça, c'est mon GitHub pour aller bah, voir les petits exemples de code, tout ça. Si vous voulez, même si vous avez des questions à me poser après, allez-y. Pour request des issues. Voilà, si vous avez des questions. Ah. Ça, c'est l'application Zendoo, quoi. Ça, c'est du React Native. Et tu vois, tu vas avoir les. Tu vois, genre. Peut-être t'as des gestures, genre. Là, c'est une version de dev, en plus que j'ai, donc elle n'est pas optimisée. Mais tu vois, genre, ça, c'est des trucs, genre. Je sais pas si tu vois la vitesse à laquelle ça va, quoi. C'est. Hop. C'est pas mal, quoi. Tu vois, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, ça, c'est une grosse application. La Zendoo, c'est. Puis il y a de la complexité derrière. Il y a vraiment de la complexité. Donc ouais, c'est une grosse application qui tourne quoi. Ils ont un showcase sur React Native aussi, avec pas mal d'applications, dont deux qui sont pas mal. Il y en a une, c'est Discord, qui est une application pour concurrencer tout ce qui est TeamSpeak, Skype, quand tu veux jouer ensemble, qui est vraiment bluffante aussi. Et il y en a une autre, c'est Discovery, qui permet de regarder des vidéos en 3D, pareil, avec des animations, des trucs assez cool. C'est deux que j'ai retenues, moi. Et la pub de Facebook?
Ouais, le Ads Manager de Facebook, ouais, ça j'en ai parlé, ouais. Qui est sur Android et iOS d'ailleurs. Ouais, et qui a une interface, ouais, plutôt hyper complexe. Ouais. Vous avez d'autres questions? Ah bah alors c'est tout simple, bah, comme là par exemple, tu vois, j'ai pas de serveur qui tourne là. Sur cette application-là. En fait, j'ai juste packagé mon bundle et au lieu de le choper sur le serveur, je lui dis ok, tu chopes en local. Tu vois, c'est juste ici en fait. Genre là. Il suffit que je commence cette ligne là et que je lui dise ok, bah, tu vas le chercher ici en local. Tu prends le bundle que j'ai packagé. Tout simplement. Voilà. Et c'est d'ailleurs là que ça se passe aussi pour aller récupérer avec Appub. Tu dis ok, tu prends la dernière version de Appub. Et c'est Appub qui gère ton. Il y a sa petite librairie de bundle pour toi, c'est son truc. Tu peux faire les deux. Alors, React Native de base, tu as un async storage, juste un clé valeur, donc qui est natif, du coup, mais bridgé en JavaScript, donc tu as accès pareil. Et voilà. Mais après, tu as plein de bases de données qui sont sorties pareil, bridgées, quoi. Et si tu as déjà une base de données qui existe déjà ou un composant qui existe déjà, nous on l'a fait pour le push. On a bridgé le push WebSocket, parce que là on a du push WebSocket. Ce qu'on n'aurait pas pu faire, enfin clairement, on peut vraiment charger la mule et y aller. On l'a fait en natif, quoi. Et hop, on récupère ça en JavaScript. Finalement, même c'est en programmation, c'est pas vraiment fou, quoi. Je veux dire, quand tu appelles une librairie, tu sais pas derrière trop ce qu'il y a derrière. Voilà, tu t'as une base de données. Mais voilà, ouais, c'est du natif. D'autres questions? Alors, les bugs, ça va plus être au niveau des composants que vont fournir React Native. Par exemple, le navigateur iOS, donc le fameux navigateur que tu as là, donc qui permet en fait tu vois, de faire la transition vraiment. Ça, c'est natif. Hein. Tu vois celui-ci? Bah, il a été pas mal buggé pendant un moment. Parce qu'il l'avait mal bridgé, parce qu'il ne se remettait pas à jour comme il fallait et tout ça. Il va y avoir aussi des problèmes des fois de performance. C'est moins le cas maintenant, ça commence à être complètement gommé. Mais au tout début, la scroll view, enfin la list view, était moins performante sous iOS enfin sous cette application que sous l'application web. Parce qu'il gérait mal le cache des images, parce qu'il gérait mal le recyclage, voilà, tout un tas de choses, quoi. Ouais. Alors, ouais. Alors ça dépend jusqu'à quel niveau, parce que je fais très rapidement parce que j'ai plus de temps. Mais déjà, tu as React 0.14 qui est sorti. React 0.14, ils sont censés être agnostiques, c'est-à-dire qu'en gros, la description de ton composant est complètement décorrélée du render. C'est toi qui vas appeler après React DOM render ou React Native render. Donc tu pourrais même réutiliser des composants, leur but c'est ça, des composants que tu peux utiliser après sur le web, sur le natif, partout. Et le truc, c'est que tu peux. Enfin, il faut vraiment que tu gardes ça en tête. C'est ton composant, tu vas pouvoir le. Enfin, ton JavaScript, tu peux le réutiliser partout, du moment qu'il ne fait pas appel à un élément qui est spécifique à ta plateforme. Par exemple, si tu as une librairie qui fait un document.create pour importer un script, une librairie ou quelque chose comme ça, tu ne pourras pas l'utiliser dans le natif. Parce que tu es dans un engine JavaScript qui n'a pas de document. Voilà, tout ça. Mais sinon, ouais, si tu as, enfin, clairement, tout ton code métier, genre ton call API, tes stores, si tu veux, mais tu fais du flux ou ce genre de choses, tu peux penser le partager. Ouais. Voilà. Bah, je vous remercie.